that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. On s'en va à Old Orchard. Vieux Orchard. Vieux Orchard. Hey! Donc, hello, hello! En route pour Old Orchard. Puis, quand j'ai demandé sur le gram, qu'est-ce que vous aimez voir dans les vlogs, il y en a un qui m'ont dit les arrêts. Donc là, on est à la première arrêt. Il est 5h11. Les enfants ont faim. On n'a plus de gaz. J'aimerais... Oui. Fait que c'est ça. Fait que Max, il gaz. Puis là, on est devant... J'ai aucune idée on est dans quelle ville. Aucune idée. Je pense qu'il y avait une sortie pour genre... Quatico, non. On sait, je sais pas où on est. Je sais pas trop. On a un dépanneur, un Valentine, un IW et un Tim. Fait que moi, je pense que je vais proposer à Max d'aller chercher des hot dogs. Ça ferait changement. Jamais on va chercher ça. Je sais que Max aime full le IW, mais moi, j'aime vraiment pas ça. Fait que, on va. Deuxième arrêt, Walmart! Découvrir une sorte de Oreo qu'on n'a pas à la maison B. On l'avait pris dans la place. Non? Fuego, fuego. Ça, c'est fort, ça. Donc, arrivé à 22h11. Quoi? Quoi? T'es-tu fatiguée? Oui. Ouais. Maman, hein? C'est quel jour qu'on va au truc de bonbons?
demain. On va aller faire le dos, défaire les valises. Demain, après-midi, on va aller faire demain soir. Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Bon matin! Axel, bon matin! Bon matin, j'espère que ça va bien. Il est rendu 8h40 et là, petit pépin, on s'en allait se mettre en maillot et je suis tombée dans la semaine. En plus, là, en faisant mes bagages hier, genre, j'ai vu ma Diva Cup, j'ai vu des tampons, j'étais comme, non, il me semble que je suis pas due, j'ai rien amené. Puis habituellement, moi, j'ai des tampons qui traînent partout. Mais là, ça fait comme 2 cycles que je prends la Diva Cup que, by the way, j'adore, c'est la vie, la révolution. J'avais juste à la prendre puis la mettre dans mes choses au cas où. Mais non! J'ai pas fait! Fait que là, j'ai tombé dans ma scène à 8h30, puis là, j'étais comme, bon, mais il n'y a rien de vert avant 9h. Fait que c'est ça qui se passe, là. On attend que ça l'ouvre, puis Max, il est allé avec Ellie acheter ça. Puis après, on va à la plage, là. À date, la météo ressemblait à aujourd'hui, soleil. Demain, nuages, peut-être pluie, puis après-demain, genre, beaucoup de pluie. Mais là, à date, il brume. Il y a comme de la brume. Puis, tu sais, comme il mouillasse. Mais j'ai comme espoir que ça va se dégager. Fait qu'on va quand même aller essayer de profiter de la plage. Sinon, les plans pour aujourd'hui, c'est ça. C'est supposé être plage, même dîner à la plage. Puis ce soir, on veut aller au Shack, qui est comme le resto sur le bord de l'eau, mais en face de l'hôtel. Puis comme manège, les petits magasins, en tout cas. Fait que tout le pier un peu. Là. Fait que je vous dirai finalement, ça a l'air de quoi? Hey, mais je vais en profiter pour vous montrer notre hall d'épicerie. Hier, il était vraiment tard. Mon Dieu, il n'y a pas d'affaire là. On avait pris 2 trucs de croissant comme ça. On a mangé un matin. Les enfants ont choisi les Pop-Tarts confetti comme cupcake. Nous, comme café, c'est une machine Keurig. Fait qu'on a pris lui de Starbucks, évidemment. Breakfast blend. on a pris ça. My God, c'est tellement bon. Creamy stripe. C'est comme vraiment comme si tu faisais butternut confiture. Un petit Nutella pour les enfants, pour les croissants. Sinon, en cochonnerie, on a pris les Oreo caramel coconut. Max dit qu'on les a jamais pris, mais moi, je suis pas mal sûre que oui. Sinon, les chips de luxe avec des M&M. Ça, regardez ça. Okay. On a pris ça. C'est des trucs pour mettre dans l'eau, je crois. Moi, j'ai mal compris. Là. Oui, c'est pour mettre dans l'eau. Tournez-le. Attends, on va voir dedans. Attends, ouvre le don, Zuzu. Puis regardez, lui, au... croche, genre, à... voyons, je vais te dire, au raisin. Fait qu'on va remplir nos bouteilles d'eau, puis on va vous tester ça. Ouais, c'est hot, là! J'ai vraiment hâte de goûter. On fera des taste-tests. Et ça, on en avait acheté en Floride cet hiver. J'ai adoré. C'est des Sunday Light, mais vodka sizzler. Fait que pas vraiment de sucre. Sinon, on a pris un mélange de peanut, chocolat, puis tout pour les dîners. Regardez, j'ai trouvé ça. Je sais pas s'il y a ça au Canada. Des Reese's, mais zéro sucre. Max s'est pris des Skittles gummies sûres. On se tient à savoir si ça existe au Canada. Non, on va en aller pour ici, les enfants ont choisi des rouleaux fruits comme cochonnerie, des petits genre bonbons de même. C'est des bonbons. Et des goldfish. Ça, c'est comme dans les sacs de même. Sinon, on a pris du lait. Les enfants, on leur a fait choisir chacun 3 petits lunchs comme ça. Ça fait une coupe de voyage qu'on fait ça. On va en amener un. C'est. Ah, mais là, ça, c'est des croquettes. Ça va au micro-ondes. En tout cas, on verra ça plus tard. Mais sinon, des petits trucs pour amener sur la plage. Sinon, nous, on s'est pris des trucs au poulet. Pour aller avec nos craquelins aussi. Puis une salade de patates comme ça. Bon, tout tombe. Je me suis pris du vin et Max s'est pris de la bière. Bon sauveur! Et en même temps, ils ont ramassé 2 trucs de seau comme ça. Parce qu'on en avait plus à la maison. Quand on est allé à Cuba, on l'a laissé là pour les temps de ménage.
le truc. On s'en va où? Fait que ça, c'est l'hôtel, les manèges et la plage. Thank you.
matin! Avec mon âme. Bon matin, tout le monde. Allez, bon matin. Bon matin. Donc, on est rendu dimanche matin. Puis là, il pleut. Fait que Vickies, l'organisatrice, nous a organisé ça. J'ai mis plein de côtés des activités qu'on peut faire quand il pleut. Parce qu'hier, on a profité. Hey, je n'ai jamais été de toute ma vie, sincèrement, il faudrait même que je demande à mes parents, autant longtemps à la plage qu'hier. On a été combien de temps? 6h30, 7h? Minimum 6h30 à la plage. Genre, les enfants, ils étaient juste comme, ils vivaient leur best life. Ils jouaient dans le sable, se sont fait des amis québécois. Il y a juste ça ici, des Québécois. Puis, ils ramassaient des coquillages, faisaient des châteaux, ils jouaient dans les vagues. Leurs amis avaient des planches, fait qu'ils allaient comme plus loin dans les vagues. Là, attendez, je vais juste rentrer dans le char. J'ai trouvé une place. Fait que c'est ça, on a été pour vrai, là. C'est pas 7 heures sur la plage, c'est entre 6h30 et 7 heures. Ah! Il y a un voisin qui a donné un pot de chicane. C'est quoi? Je veux voir. Je veux voir. C'est un canard. C'est un canard. Hier, c'est ça. Fait que on a fait 6h30, 7 heures de plage. Puis, pour vrai, on a tellement profité, là. C'est fou. On s'avait acheté une épicerie pour faire, pour manger sur la plage. T'sais, on est vraiment juste en face, là. T'sais, nous, on est là. Puis, genre, là, ce que vous voyez, là, ici, là, attends, mon doigt, là, où il y a la pancarte, c'est la plage, tu sais. On peut pas être mieux placé que ça. Concernant la chambre, j'ai le temps, je vais vous en parler. Petite grosse déception, on est arrivé. Dans ma tête, ben pas dans ma tête. Là, en fait, on venait d'écouter le vlog, c'est pas dans ma tête. Nous, on avait une chambre un petit peu plus là-bas. Les amours, pas de chicane, s'il vous plaît, OK? On va te le dire quand ça va faire 2 minutes. Il est beau. Il est beau, le canot. 2 minutes. 2 minutes, OK? Merci. Le temps est là. Il est 9h56. On était là-bas. Premièrement, on était en haut, OK? Puis on était comme un petit peu plus loin des jeux. Fait que, tu sais, on n'entendait rien, on était haut, fait qu'on avait des chaises, on avait un balcon et la chambre était nouvellement rénovée. Quand j'ai réservé, j'ai pris ce qui restait, mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai réservé. Fait que je me demande pourquoi j'ai pas pris de cuisinette. Je pense que c'était parce qu'il n'y en avait plus. Là, on a pogné une chambre pas rénovée, qui est quand même petite, qui a ses 2 lits doubles. Fait que c'est ça. Nous, tu sais, on est 5, fait qu'habituellement, on prend des lit queen au minimum, fait qu'Axel peut dormir soit avec nous ou avec les filles, peu importe. Mais là, on était quand même coincés. C'est propre, mais c'est quand même vieux. Si vous réservez à cette place-là, ou si vous avez déjà réservé, parce que je sais qu'il y en a qui ont écouté mon vlog et qui ont réservé là à cause de nous, grâce à nous, peu importe. Essayez de demander une chambre rénovée. Vous êtes pogné le premier chauffeur qui chauffe mal. Il y a une plaque de où vous passez? Du Québec. Alors, si vous avez la chance de demander chambre rénovée, ça, ce serait genre de baisse. Sinon, par exemple, c'est vraiment pas super que je pensais. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment off. Mais finalement, c'était bien correct. Là, c'est vraiment juste les lits, je dors vraiment pas bien. Là, je peux pas dire que je me ferme les yeux puis je m'ouvre les yeux le lendemain matin. Là, on est toutes pognées. Puis le lit est sur roulette, genre. Fait que aussitôt qu'un sort du lit ou rentre du lit, genre, on fait 6-2 mètres de. Le lit il glisse, genre. En tout cas, fait que c'est ça. Ben, c'est correct, tu sais, ça fait la job, on reste pas à l'hôtel du tout. Puis après ça, revenons à la journée d'hier. Ça fait 2 minutes, on switch. Merci. Sinon, après la plage, on est venu se préparer, prendre sa douche. Est-ce que vous me laissez expliquer la journée? C'est moi qui vous. Léa, arrête de faire ton bébé, s'il te plaît. Maman a demandé une consigne. Okay. Donc, on est allé, on est revenu à la chambre prendre notre douche, puis on a traversé au Shack, qui était le resto que je m'avais noté vraiment qu'on voulait faire. C'était vraiment bon pour vrai. Max a eu un peu de misère à décortiquer son mort. On a pris, moi j'ai pris, ben en fait à deux, on a pris un gros lobster roll, mais le shack, là, qu'il l'appelle, là, qui est vraiment comme cuit dans le beurre avec du crabe, avec de la salade, c'est comme le gros qui venait avec des frites. Puis Max a pris, ben on a pris aussi c'est combien de livres? Une livre et demi. Une livre et demi de homard, enfin dans le fond c'est un homard.
avec salade de choux frites aussi, non? Salade de choux, puis maïs aussi. Fait que c'est vraiment bon. Puis les enfants ont pris de quoi différents, les trois. Fait que pour vrai, c'était bon. Hein? Puis après ça, on est allé faire les magasins. On est allé me trouver ma tasse. Regardez, j'ai vraiment pas été originale. Hein? J'ai pris la même tasse que j'avais achetée l'année passée. Voyons, on va-tu focusser? Mais en petit brun. Je me suis dit que j'allais garder le concept. Puis après ça, on a vraiment fait tous les arrêts pour vrai que je m'avais dit là, le truc de bonbons. Faites-vous pas avoir, quand vous allez, mettons, pour aller dans les rues, il y a tout de suite un magasin de bonbons qui c'est marqué Candy Shop. C'est ça? Ouais, puis il y a une grosse photo de 50 Cent dans l'air. Quand vous arrivez, c'est marqué Candy Shop, c'est pas lui, moi, que je m'avais noté, puis j'ai bien fait. C'est juste un petit peu plus loin. C'est vraiment au Dickinson. Davidson. Non. Je pense que c'est Davidson. C'est pas Dickinson. En tout cas, je vais vous le mettre dans la description. De toute façon, je voulais filmer. C'est fou, là, tous les bonbons. Bon, on a passé, je sais pas combien de temps là. On avait deux enfants qui avaient le droit de se choisir un truc. Puis nous, on était pire, là. On s'est comme pris un sac de bonbons mélangés, plus plein de sortes de truffes qu'on a goûté. Des gobstoppers. Hein? Des gobstoppers. C'est quoi? Des bonbons de la boîte jaune, là, que j'ai acheté pris, là. Ah, des gob. Gobstoppers. En tout cas, l'affaire, là, qu'il y a plein de couches, là, de. Comme des casse-gueules, là. Comme des casse-gueules. Mais je les avais déjà montés sur Instagram en mauve. En tout cas. Puis j'ai même fini avec une crème glacée finalement parce que j'avais pas vu qu'il y avait des crèmes glacées. Puis moi, genre mon crave de tous les jours de la vie, c'est vraiment. Ben depuis qu'on est allé en Floride là, au truc Hershey. Dans notre hôtel en Floride, il y avait le truc de crème glacée, c'était un crème glacée Hershey. Puis à tous les jours, ils changeaient les saveurs. Mais moi, à tous les jours, j'allais me chercher une crème glacée dans un cornet gaufré à la pistache. Okay? C'est comme mon. Puis depuis le mois de mars, on parlait là, c'est mon craving, genre j'en mangerais tous les jours. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait ça, puis elle avait tellement l'air bonne, et elle était vraiment bonne. Fait que si vous êtes fan de crème glacée dans ce genre-là, elle est vraiment bonne. Puis après ça, on est allé faire un petit tour sur le pier, mais tu sais, il y a tout le temps juste des arcades que là, pour vrai, il n'y a jamais vraiment que. Ouais. On y va, puis on est comme. Ah, ben, Wildwood, il y a plus d'affaires, là. Oui, mais tu sais, là, c'est tout petit, là, c'est vraiment juste des petites arcades. Puis on savait qu'il y avait d'autres sortes d'arcades de même plus loin, fait qu'on a juste fait un aller-retour. Il y a le spot à Gotthof, là. Le quoi? Le spot à Gotthof, où il y a les deux machines à. Faut que tu tapes de la ballon de boxe, là. N'hésite, parce que j'étais comme, check bien ça, je vais y aller. Je vais aller, je vais les badge, genre. Finalement, j'ai choqué. Fait que après ça, là, on est allé faire les manèges. On est allé se prendre, dans le fond, nous, on s'est pris un carnet. Pour vrai, ça a tellement passé vite. On a acheté une carte de combien de crédits au début? De 180. Pour les toutous, tu penses? Ben, ouais. Au début, on achète une carte de 180 crédits. Là, on veut gagner des toutous. Nous, on aime autant jouer que les enfants aiment recevoir les toutous. Fait que c'est sûr qu'on jouait comme trois games que les trois aient des toutous. C'est tout le temps le fusil à l'eau, mais là, le fusil à l'eau, ça pète une ballonne, genre. Fait que vous imaginez les petits cris de pleurs en arrière. Ouais, fait que là, nous, automatiquement, quand on est 5, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà comme un toutou dans moyenne, tu sais. Mais on se met avec personne, OK? Le monde. Attends, toutou. Le monde se mettait avec nous, puis j'étais genre. Non, on va attendre la prochaine game parce qu'on voulait être sûr que ça soit nous. On voulait être sûr que c'était nous qui gagnent. Tu sais, les 5, c'est le chien payé pour 5 personnes. Finalement, c'est genre le 12. 5, nous, ça nous coûte combien une game à 5? C'était 5 crédits. Hein? 5 crédits. 100. Finalement, c'est le 12, genre, tout seul qui gagnerait le gros toutou parce que nous, on a payé pour 5. Bref. Fait qu'on a fait 3 games. Première game, Zouzou, elle a gagné. Tu sais, la première game, on s'est mis avec du monde. Ouais, il y avait un petit gars, fait que là on s'est dit on va jouer puis on va se forcer en tabarouette. Finalement, même pas nous qui a gagné, c'est Zouzou qui a gagné un Pikachu. Après ça, on a rejoué toute seule. C'est moi qui l'ai gagné, j'ai donné à Ellie. Puis là, non, c'est pas moi qui l'ai gagné, ma ballon n'allait pas. Ellie, ça l'a gagné. Non. Bonjour. Oui. C'est elle qui a gagné? Oh. Non, attends. Zouzou a gagné. Non, quand Zouzou a gagné, ma ballon n'a pas pété. Ouais. Fait qu'elle nous a donné une game gratuite en plus que Zouzou, elle avait gagné. Fait que on a comme eu deux games pour. Après ça, c'est toi qui as gagné. Ouais, c'est ça. Mais c'est, on est dur à suivre, là. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que Zouzou a gagné, mais ma ballon n'a pas explosé. Fait que Zouzou a gagné son Pikachu. Moi, j'ai gagné à Eléa. Puis après ça, ben, il manquait juste Axel. Fait qu'on a rejoué une game. J'ai gagné pour puis Axel. Eléa a gagné pour Axel. Mais c'était tellement drôle parce qu'Axel, il voulait jouer, mais il aimait pas le port de la ballon. Fait qu'il était comme, moi, je vais jouer, maman, puis tiens-moi les oreilles, genre, tiens-moi les oreilles. C'était marrant. Fait que là, tout le monde a son Pikachu ou Eléa a son. Bonjour. Ouais.
son mushroom. Non, mais champignon. Et après ça, on a acheté le plus gros carnet de tickets que tu peux avoir. Là, c'est 50. C'était pas 50 tickets. Oui, c'est 50 tickets. Pour 78. Il y a des passes. Mais les passes illimitées aussi, bon, on les a pas pris parce que. Ah, de journée? Ouais. Non, c'est annuel, ça a marqué. Non, c'est journée. Puis combien ça coûtait pour le fun? Ça aurait coûté pour les. Ça a coûté 78 pour 50 tickets. Puis si on prenait les passes, ça aurait coûté 76 plus 76 plus 50. Ça fait que ça aurait coûté 200 quelques piastres US pour une passe illimitée. Une journée. Tu peux pas l'utiliser toute la fin de semaine? Non, c'est ça. C'est ça qui est comme pas. Si ça avait été une passe que tu peux l'utiliser tous les jours, ça aurait plus valu la peine. Mais en même temps, on savait qu'il pleuvait aujourd'hui. Fait qu'on était comme, on va dépasser ça. C'était bien correct. C'est sûr que les enfants. Les amants, s'il vous plaît. Vous jouerez au Pikachu après. Les amants. C'est sûr que les enfants auraient joué plus longtemps, évidemment. Mais on, pour vrai, on était comme vraiment déçus parce qu'on était comme là, on vous a acheté, je sais pas combien ça nous a coûté de billets. Puis vous êtes pas contents, puis tous ceux qui ont jeté. Il nous restait comme 15 crédits. Une madame, elle s'en allait. Ben, madame, une jeune fille, elle s'en allait. Elle nous a donné sa carte. Il restait 15 crédits. Fait qu'on on a pu les dépenser dans les arcades. Fait que les enfants, ça l'a comme vraiment bien fini la soirée. Puis à 8 heures, on était toutes couchées. On s'est parti. Les enfants se sont écoutés un film. Nous, on écoutait sur ma tablette une émission. Puis je me suis même, on s'est endormi avant la fin de l'émission. Ça veut dire qu'on a dormi quasiment 12 heures. Parce qu'à 8 heures, on était dans la chambre. Moi, mettons, à 10 heures, à peu près, je me suis endormi. Genre puis moi, je dormais, ouais, puis on s'est levé à 8 heures passées. Fait qu'on a quasiment, tout le monde a quasiment dormi à l'entour de 12 heures. Là, aujourd'hui, il pleut. Fait que les activités que je nous ai prévues, là, on s'en va visiter une affaire de chocolat. Attends. Alors, aujourd'hui, vu qu'il pleut, c'est ça, j'ai googlé tout ce qu'il y a à faire à Old Orchard quand il pleut. Puis c'est surtout à Portland qu'il y a des affaires. Le truc qui revenait vraiment dans tous les blogs, c'était un. Chocolat. Comment ça s'appelle? Tu l'as marqué Ouais. Qu'est-ce que t'as marqué dans ton ciel, toi? Ben, j'ai cliqué sur l'itinéraire que toi t'as fait. Moi, j'ai fait un itinéraire. Dans le fond, c'est. On est où, là? Oui, on s'en va gazer. On s'en va gazer. OK. Dans le fond, la première arrêt, ce serait un autre genre de magasin de bonbons, mais plus style musée, là. Il y a tout le monde en parle. C'est comme des gros orignons en chocolat, les plus grosses cultures de chocolat. Fait qu'on va aller voir ça. Après ça, je vais aller dans un vignoble. Quand il pleut, moi, j'aime vraiment ça aller dans un vignoble. Les enfants, on a branché leur tablette. C'est comme leur moment de tablette du voyage. Puis, il faut juste appeler voir si on peut y aller comme sans réservation parce qu'il y avait comme plus de place. On va s'essayer. Puis après ça, je me suis noté d'autres affaires, dépendamment il est quelle heure, mais je nous ai vraiment fait un itinéraire. On a réservé au Joseph by the Sea. Ça fait vraiment longtemps, ça fait genre un mois que j'ai réservé là, qui est comme le resto avec une belle vue pis tout. Là, c'est sûr qu'il pleut, mais d'après moi, on peut manger en dedans pareil. Et dépendamment de la température, j'ai comme deux options. Soit que l'autre bord de la rue, il y a le pirate, le fameux truc de mini-golf. Qu'est-ce qui se passe ce matin, les enfants? Alors, le mini-pot extérieur ou on a vu aussi hier en marchant qu'il y a un mini-pot fluo à l'intérieur. Donc, on a comme les deux options du même genre d'activité ce soir. Fait que ça va vraiment ressembler à ça. Fait qu'on vous amène avec nous, méchante grosse intro de deuxième journée, gang! L'organisatrice offerte, gang! Le truc de chocolat était fermé, fait qu'on est allé magasiner au Target. Et là, le vignoble, fallait vraiment réserver. Dans le fond, quand il pleut ici, c'est la folie, OK? Fait que je peux pas vous donner vraiment de conseils parce que je peux pas prévoir vraiment s'il pleut. Mais là, on est en train d'aller chercher un resto et ça fait trois restos qu'on fait. Puis le dernier resto, on est allé comme dans un plus grand resto. On s'est dit sûrement qu'ici, les gens... tu sais, le monde sont en vacances, ils cherchent des restos familiales, fait que c'est probablement les premiers qui se bookent, genre Olive Garden, Applebee's. Fait que là, on est allé comme plus dans les steakhouse plus chic, on s'est dit, peut-être c'est moins populaire, non, la fille, elle riait quasiment nous, puis elle était comme, ouais, ben non, bonne chance, quand il pleut ici, c'est full. Fait que là, on est à un autre. Non. Ah, il y a de la place au Longhorn Steakhouse. We'll be right back.
8h48. Finalement, hier, tellement de changements de plan, c'est fou. On a... C'est papa qui court de même? Non. On a été magasiner. Après ça, on a été dans un full bon resto. Après ça, on est retourné à l'hôtel. On s'est pris un petit verre de vin. On écoutait comme Netflix, full relax. Puis après ça, on est allé souper. Au resto qu'on avait réservé, puis après ça, on s'est allé faire taper. Je disais qu'on a été se faire tatouer! Fait que je vous raconterai plus en détail, je pense, dans un TikTok, c'est quoi le tatou, pourquoi on a fait ça, blablabla, bla, bla. Qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est vraiment, pour vrai, ils sont tellement wise là-bas, là, ils ont fait des faux tatous aux enfants, en tout cas, fait qu'ils trippaient bien raide. Maman, quoi? C'est quand qu'on va au truc de chocolat? Je pensais qu'on va y aller. Donc là, aujourd'hui, on est sur le départ. On essaye. Alors, aujourd'hui, on est lundi. On s'en va sur la route. Écoutez, on s'est dit qu'on partait, vu qu'il pleuvait encore aujourd'hui, mais qu'on allait comme voir sur la route s'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a comme une ville qui pleut moins, qu'il y a une activité à faire, ou si... on sait pas. On sait juste qu'on veut arrêter dans un bon resto sur la route. Fait que rendu vers l'heure du midi, on verra dans quelle ville qu'on est. On va vous montrer ça. Mais pour l'instant, on essaye le Beach Bagel, qui était probablement la chose qui revenait le plus sur TikTok. Fait que je vous en donnerai des nouvelles. Tellement noir que la qualité de la caméra est merdique, mais je voulais juste conclure ce vlog en vous disant, pour vrai, tu sais, ça aurait pu tellement... Hey, c'est vraiment dégueu. Ça aurait pu tellement gâcher... Il y a plein d'affaires qui auraient pu gâcher le voyage. Tu sais, on est arrivé au Dolcher, probablement il annonçait de la pluie toute la fin de semaine. Je suis tombée dans ma semaine, c'était pas prévu. Après ça, la chambre, on était comme trop pas contents. Finalement, on a tellement passé une belle fin de semaine. Fait que j'espère vraiment que ça va vous avoir inspiré à des activités de pluie. Tout ce que j'ai nommé qu'on n'a pas fait, vous pouvez l'ajouter à votre liste. Pour vrai, c'était comme... C'était parfait. Fait que plus souvent des road trips de même, de plus en plus, pour vrai, ça fait tellement des beaux souvenirs. Fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog. Finalement, on est arrêté à Washington dîner. Fait que c'est vraiment bon.